Bonjour Monsieur Aguerreiro, je m'appelle Yannick Evara. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis très sensible quant aux problèmes environnementaux et je suis ravie que vous répondiez à mes différentes questions. Voici ma première question. Est-ce que vous aidez les pays qui ont des gros problèmes environnementaux, notamment à cause des rejets nocifs de certaines usines? Et comment les aidez-vous? Bonjour Liliane, je suis vénézuélienne. Je m'appelle Luis Felipe Guerrero. Vous pourrez parler en espagnol si vous voulez, mais on va continuer à ça. Et l'organisation responsable des problèmes environnementaux au niveau international est le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, dont la siège est Nairobi au Kenya. Le PNUE n'a pas de bureau dans tous les pays. Quand il y a un problème dans un pays en développement, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a des bureaux dans tous les pays du monde, les pays sous-développés, qui assure la coordination et qui contactera le PNUE, qui doit se charger alors de trouver un expert pour traiter les problèmes. Est-ce que des pays sont déjà rentrés en conflit en raison de l'emplacement d'une usine qui rejette des produits toxiques? Les conflits environnementaux les plus fréquents entre pays concernés concernent souvent la question de l'eau, sa disponibilité et éventuellement la qualité, notamment en ce qui concerne les produits toxiques évacués par des activités industrielles. Les rejets toxiques concernent tous les pays. Les pays industrialisés ont, en général, des politiques et des législations pour gérer ces questions. Ce n'est pas toujours le cas dans les pays en développement, qui peuvent obtenir les aides du PNUE pour l'intermédiaire de la PNUD. Les conflits naissent souvent quand un pays s'approprie unilatéralement des ressources de l'eau en détriment d'autres pays. C'était le cas entre l'Irak et la Turquie, mais aussi le cas entre la Colombie et la Venezuela. Avez-vous remarqué des changements touchant notre environnement en général suite au réchauffement climatique? Il y a beaucoup. Il y a la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention fixe un cadre pour faire face aux défis posés par les changements climatiques. Les conséquences aujourd'hui déjà sont fortes, surtout dans un avenir relativement proche, ils vont devenir gravissimes. Ces changements causent des modifications aux échelles régionales et planétaires, de la température, des précipitations et d'autres variables du climat, qui vont se traduire par une élévation du niveau moyen de la mer et par des épisodes plus graves de forte chaleur, d'inondations, de sécheresses, de tornades dévastatrices de plus en plus graves. Toutes les activités humaines en seront affectées, à commencer par la production agricole et donc la possibilité de nourrir une population qui croît constamment. Les catastrophes naturelles se multiplient, touchant de plus en plus de populations. Souvent, les plus fragilisés sont les pays en développement. Et voici ma dernière question. Je voudrais vous parler de la pollution qui est particulièrement présente dans mon pays, le Pérou. Lorsque je me suis rendue cet été dans mon pays, j'ai constaté que le ciel était tout gris, que je ne pouvais plus respirer de l'air pur. Et je voudrais savoir si vous avez des solutions pour améliorer cette situation. Un rapport de la Banque mondiale révèle que la pollution atmosphérique, les catastrophes naturelles et la déforestation coûtent chaque année près de 2,6 milliards de dollars au Pérou. Le Pérou est en effet fortement touché par la pollution. Ainsi, dans la zone urbaine de Lima, la capitale, ce sont chaque année 4 000 personnes qui meurent
de la pollution atmosphérique. La Banque mondiale s'inquiète également de l'exposition au plomb de nombre de Péruviens, ainsi que de nombreuses catastrophes naturelles qui surviennent dans les pays. Sont également pointés du doigt l'insuffisant de ramassage des ordures ménagères, l'approvisionnement et la qualité de l'eau, la contamination de l'air, la dégradation des sols et les effets négatifs des mines, dont les déchets ne sont pas traités avec suffisamment de précautions vis-à-vis de la santé et de l'écosystème. Les solutions, à mon vieux, sont politiques. Favoriser une politique d'éducation environnementale, sensibilisant les jeunes aux conséquences de la pollution et sur l'attitude individuelle et collective pour y remédier la situation. Une politique économique aussi, accordant plus d'attention aux activités non polluantes, réprimer la déforestation et favoriser la plantation d'arbres. Adopter des mesures qui donnent la priorité à la protection de l'environnement. Merci, monsieur Aguerrero, pour avoir répondu à mes questions. Merci. Merci.